Bonjour, tout le monde, ici The Rock. Et aujourd'hui, on se retrouve pour. L'épisode numéro 2 de cette série que vous avez particulièrement apprécié. L'épisode 1, près de 1500 vues. Euh, on a près de 150 likes et les commentaires. Louis-David Thibault, Delphi, Sherbox, Pierre-Olivier Roy, Alexis Grenier, Leloup, euh, Milan Laforêt, Xavier Crow, euh, Sophie Trudeau. Il y en a pas mal, là. je ne vais pas toutes les nommer, mais il y en a pas mal qui ont euh, mentionné, apprécié le concept. Donc pourquoi pas le continuer? En plus, on a parti ça extrêmement fort. Tu honnêtement, on a parti ça avec une défaite en, en, en <laughs> une défaite en finale contre les astronautes de Houston. Et ça fait mal parce que Houston Tabarnak, on essaie d'en gagner une euh, depuis euh, cinq saisons euh, à Houston avec notre vrai GM. Puis là, on a parti avec deux victoires. On a échappé deux matchs. On a gagné. La défaite en prolongation a fait en sorte qu'on n'a pas été chercher la victoire. Et là, ben, après cette, euh, cet effondrement dans le match numéro 6, ben, le match numéro 7, ce n'était qu'une balade dans le parc pour Houston. 15-8, l'affiche du Canadien de Montréal. Et je vous rappelle que ce roster-là, c'est un roster de 48 équipes. Donc, pas 32, 48. Voici le premier trio qu'on avait. C'est un excellent premier trio. Uh, Zucarello, 100 points cette année avec les Canadiens, 23-23 matchs, donc honnêtement, le premier tour, on va aller voir les stats, là, ça avait super bien été, malgré qu'on avait une équipe où est-ce qu'on priorisait les jeunes, avec Alex Barré-Boulet, avec Matthew Phillips, on essayait de voir si euh, c'était pas possible de peut-être faire monter cette, ces joueurs-là qui ont un peu de potentiel, Little Mronek, Brown Edler, Olden, Shea We Weber, Shea Weber qui a quand même... 5 points en 23 matchs plus 5 en séries éliminatoires lui qui a joué à 70 overall et on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley donc honnêtement j'ai rien à dire sur euh, cette finale-là et que dire de, 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 des prochaines saisons pour le Canadien de Montréal avec les 48 équipes aussi dans la Ligue. On a Matthew Nye, Frank Nazar qui s'en vient, Jacob Snuggerrod, euh, Router McGraw-Arty. On en a des bons joueurs qui s'en viennent défensivement. On a Edvinson, Lane Hutton, Chuck. Donc, côté prospect, on est solide et en plus de ça, on a on, le Canadien qui. Pour la deuxième fois en, en quelques années, là on a eu Tampa et là on a Houston qui bat le Canadien. Je suis convaincu qu'on sera en mesure d'aller chercher une coupe Stanley bientôt. Maintenant, ce qui s'en vient, ben c'est assez simple. On va essayer de continuer de bâtir une équipe. Là, on n'est pas dans un GM sérieux comme on l'est avec. Euh, regardez la loterie. La loterie se joue sur 32 <laughs> équipes. Aïe aïe aïe! La loterie se joue sur 32 équipes ou. Où... Ben oui. Ben oui, évidemment, ça joue sur 32 équipes. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont gagné la loterie Bon, ça s'est joué entre euh, 1, 5 et 2. Saint-Louis qui a gagné Chicago aussi. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est pas euh, une série là, sur notre chaîne qui va euh, être très sérieuse. On va essayer de gagner la Coupe. Il y a 48 équipes. Et euh, Shea Weber a pris sa retraite. Ça aurait été le fun qu'il gagne. Coupe Stanley, avant va prendre sa retraite. Donc, voir des transactions un peu irréalistes, des signatures un peu irréalistes aussi. Mais on verra ce que ça va donner. OK. Les points pour la saison. Regardez le premier trio, c'est pas compliqué. 119 points pour Tej Thompson. 111 pour Ovie et 100 points pour Zuccarello. C'est vraiment le 7. C'est vraiment ces joueurs-là qui ont fait en sorte. Et Jonathan Quick qui est incroyable, qui ont fait en sorte qu'on ait eu une aussi belle saison dans toute la ligue. Dans toute la ligue! Le meneur pour les buts, Austin Matthews avec les Nordiques. On a beau Horvath, Robertson et Thompson. Pour ce qui est des points, c'est Tage Thompson qui est allé le chercher. Donc ça, c'est le fun. Défensivement, 105 points pour Adam Fox. Wow! Et côté gardien de but, Jonathan Quick semble avoir été de loin le meilleur gardien. Donc quelle quel fun de carrière pour Quick avec le Canadien de Montréal. Maintenant, repêchage. Les Jets veulent donner leur septième choix. On a Connor Bedard qui sort un, Kaufman, Leo Carlson, Brendan Jager. On a. Est-ce qu'on a des, les joueurs créés dans cette GM là Non, pas de joueurs créés pour l'instant. Donc, Bedard, Kaufman, Carlson, Yager, Benson, Dvorsky, Cell. Cell qui semble sortir le septième. Ça pourrait être intéressant. Crystal, Barlow. Haidt, Smirnov, Zvitov, Altonen, Allen, Leinstein. Donc, il y a quand même quelques bonnes possibilités. Et c'est les Jets qui veulent donner leur septième choix. Moi, je pense qu'on devrait l'essayer, tout dépendant de ce que ça coûte. Gardez de but, on a Askarov, on a Jonathan Quick. Donc, Quick pourrait rester cette année et Askarov va arriver comme backup. Elliott, on ne le ressigne pas défensivement. Lenom, Ronek, on regarde Edler, Brown, Holden sont tous assignés. On a Edvinson qu qu'on ne touche pas. Hudson, Matechuk, tous ces joueurs-là, on ne touche pas. À droite, Snoggerrod, Nazard, McGrew RT. On ne signe pas. Ovechkin, Matthew Zouk. On touche pas. Je vais regarder mon premier triomphe attack. et au centre. On a Matthew Phillips. Je pourrais trade Matthew Phillips et... Et on n'a pas d'autres possibilités. Matthew Phillips. Choix 2 l'an prochain. Choix 2 cette année. Ça passe pas pour le 7ème, là. Je pense pas. Refuser, mais on est près d'une attente. Euh, choix 3 et choix de 4 cette année. On a-tu un deal avec ça? Refuser, donc. Il n'y aura pas de transaction cette année. Malheureusement, on n'a pas assez de valeur d'échange. Option de simulation. Euh, je veux juste afficher la catégorie de repêchage. Voir si. On peut peut-être aller chercher un style dans les rondes un peu plus late. Kaufman, on a le e On a Crystal. On a Bruce Hunter Whisky, OK. Deux ans, donc ça, ça pourrait être bon. 29e. Noel North, trois ans. Je vais essayer d'aller chercher le 26e des pingouins. Oh, le premier choix, Connor Bedard, évidemment. Donc, j'ai spoté un joueur. Je vais essayer d'aller de, de, trade pour le 26e choix des pingouins de Pittsburgh. Euh, à l'attaque, on a Phillips. Et sinon, je vais donner mon 3, un 2 et un 4. Est-ce que ça passe pour le 26e? Oh, c'est refusé. 3 et 4 de cette année. C'est accepté, donc on a le 26e choix. Je vais essayer aussi d'aller chercher le 49e choix contre Anka, un 3 et un 4. J'ai un joueur qui m'intéresse dans ces eaux-là, donc on va essayer d'aller chercher. Option de simulation jusqu'au choix numéro 26. Ça, on a quand même des bons joueurs de sélectionner, mais j'ai mes yeux sur quelqu'un d'autre. Danielson, 2 ans de Joe Thornton, ou ce défenseur-là, 2 ans. Avec aucun X-Factors par contre. Oh, Alex Sandin Pelika. Oh, défenseur avec des X-Factors. Je pense que j'aurais peut-être plus pour lui dans ce cas-là. On a Pinelli aussi. Alex Sandin Pelika. Défenseur top 4, 66 overall avec quelques X-Factors. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais juste voir si j'ai manqué. Aiki. J'ai rien manqué là. Danielson. Bon joueur, mais c'est pas mal pareil. Dragicevic, pas mal pareil. Pinelli, bonne sélection. On a, pas fait, on a bien fait de ne pas le prendre. normie. même chose, on a bien fait. Et c'est ce défenseur-là. Excellent. On a pris le bon défenseur. Maintenant, choix numéro 49. C'est notre dernier choix pratiquement du draft. Et j'avais mes yeux sur. Bon, il y a Caldwell qui est là. Il y a aussi Zubov. Un gardien de but. Mais j'avais mes yeux sur ce défenseur-là. Jesse. Jesse Kiskinen. Donc, un pas défenseur, un allié droit, c'est un... où on a Kaden Price. Non, 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 je vais y aller avec l'attaquant Jesse Kikinen. Welcome to the... Ah, attaquant top 964 Overall. Pas une bonne sélection, ça. Pas une bonne sélection. Cinquième tour. Est-ce qu'on peut trouver de quoi d'intéressant Lasco. Let's go. On y va pour l'Asco. Deep top 6, 57 overall. Il y a tellement de joueurs de sélectionner, comme il y a 48 équipes, que de trouver des bons joueurs dans les dernières rondes, ça va être compliqué. Là. Tiens, regardez ça. Attaquant top 6, c'est le meilleur joueur en termes de potentiel. Un agitateur. On va simuler le reste du repêchage. Donc, Pelika est pas mal le seul bon joueur qu'on a réussi à aller chercher. On va simuler jusqu'à la prolongation jusqu prolongations de contrat. Ok, on a quand même encore notre, euh, nos trois premiers trios pour au moins un autre année. Zouk, Ovi et Tage Thompson vont rester ensemble sur le premier trio, ça avait tellement bien été. Gardien de but, Jonathan Quick. Ok, Elliott. On sait que c'est Charles. Même chose pour Men. On sait que c'est Jonathan Quick et Askarov vont être nos deux gardiens. On a quand même 30 millions, donc je suis très à l'aise de donner un 8 millions à Jonathan Quick pour un an défensivement. Lidlom est là, Ronek est là, Edler, est-ce qu'on a besoin de Edler à 4 millions, bof, surtout qu'il risque de baisser, donc Edler, relâché, Justin Brown, 36 ans, Justin Brown, relâché, Holden, relâché, Delzotto veut pas signer Bertuzzo veut pas signer donc on va complètement se refaire une défensive, et j'aimerais peut-être ça donner du temps à Lane Hudson, 8, 8 millions, 4,7. Non, peut-être on ne va pas abuser. Là. Mais on me dit qu'il va monter quand même. 6 ans, 4 millions. 6 ans, 4 millions et on le fait jouer en partant. On a de la place sur la masse salariale. Il ne sera peut-être pas « worth it » dans les premières années. Mais 6 ans à 3,8. On est vraiment gagnant, c'est dit. oui puis Sandy on va le signer certainement à droite. Oh, ok, à droite, on a beaucoup de joueurs à signer. Je vais faire le ménage. Chiasson, c'est ciao. Ça, c'est ciao. Sam Gagné, bye. No Sun, bye. Wade Simon, bye. On avait donc bien des vieux joueurs. On va essayer de signer tous les joueurs comme Lane Hudson, ce qui veut dire 6 ans. Mais là, on va manquer de place sur la masse. Donc, je vais attendre un peu pour ces joueurs-là. Je vais voir combien d'argent il va me rester. 5.6 millions pour Corey Perry. Euh, non, 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 non. À un moment donné, le calvaire. Euh, Zucker, 84 overall, 5.4. Il demande donc bien cher, les boys. Mais lui, veut signer Jason Zucker. Donc, je vais lui donner 2 ans. 5.5, ça reste quand même beaucoup d'argent. Athanasiou veut 4.7. mort 2 millions, OK. On peut attendre pour Belmort, mais 38 ans. Il va baisser en overall, non. paris 38 ans, non. Thomas Yurko, non. On va complètement se refaire aux agents libres. Matthew Nye, 5 ans. Je vais le garder RFA, par exemple. 4 ans, 2,9. On va essayer ce 4 ans, 2,9. Au centre, on a JT Comfer qui va vouloir 2 ah, ans. 2 ans, 3,5. Je trouve que ça a de l'allure. OK. Bon, qui a signé? Zucker, Comfer, Quick. Hudson et Matthew Nye ont dit oui. Pelika aussi. Nice! Nice, nice, nice. Ça veut dire que tout le monde a dit oui. Il reste Atanasio à signer. Et mes trois genoux. Ok, Rod. Euh, J'avoue que deux ans, trois ans, trois ans 2 ans, 3 ans, 3 ans, 2.4. C'est ceux qui jouent cette année. 3 ans 2. 2.2 2.2, 3 ans. Mego IT même chose. 3 ans à... Ah, oh, il lui demande beaucoup moins cher. 3 ans, 1.7. Je sais pas. 7. 1.5, 1.7, ok. Frank Nazar, même chose. 3 ans. 2 millions, fait qu'il va nous rester un peu d'argent pour les agents libres. Et à la limite, on peut toujours échanger Quick qui, finalement, je me rends compte qu'un contrat de 8 millions, ça vaut quand même cher. on a Snuggerod, McGraw-Arty, Nazar qui vont jouer l'an prochain, c'est sûr, pour les 3 prochaines années. Euh, donc, ça, c'est super bon. Et, à l'attaque, on a, on va y aller par on va y aller par overall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, fait que 11, 12, ça nous en prend deux autres. Fait que on peut le signer. Mais je à donner un an à Atanasiu à hein? 3.9. Il a dit oui. Donc, il nous manquerait un attaquant et défensivement. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manquerait peut-être un aussi. On y va vraiment jeunesse l'an prochain là. On y va vraiment jeunesse. Un attaquant, un défenseur, c'est ce qui nous manque pour l'instant. On va voir si on aura des possibilités là, euh, à moindre coût aux agents libres parce qu'on va avoir quoi là 4,1 millions, ouais, c'est ça. UFA. Gardien de but. Est-ce qu'on a des gardiens qui peuvent jouer Miners Certainement. Là. Lui ici, 3 ans. Godjo à 9,50. Rodrigue. Un an Rodrigue à 9,50 aussi. Donc, ça, c'est parfait. On peut même signer Letten, on ne sait jamais. 3 ans, 9,50. Excellent. Pour les autres, on n'a pas besoin. Défensivement, est-ce qu'on a des prospects? Knisov, 5.5. les joueurs demandent Les joueurs de Énormément d'argent dans une, dans une ligue à 48 équipes. C'est terrible. Daniel Sprong, 5.3 millions. Blitchfield. What the f. Ok, Klim Kostin. Ça, c'est parfait, Klim Kostin. Deux ans. Ok, ça dit que j'ai une marge de 4 millions, mais j'ai juste 2,2 de, de, de place sur la masse salariale. Ça fonctionne pas vraiment. Ce que je vais faire, Jonathan Quick a été, a été excellent, mais euh, j'ai besoin, besoin d'un gardien qui me coûte moins cher, qui pourra faire sensiblement le même travail. Donc, j'irai peut-être même avec un Golu 85 overall. Qui a une petite valeur. Il y a Quick qui n'a pas une grosse valeur. Fleury qui est là à 86 overall. Marc-André Fleury, ça pourrait être pas pire partant. Sinon, le Samsonov, Varlamov est là. T'sais, je pourrais changer Quick et aller signer un gars comme, comme Varlamov, 86 overall à la place de Jonathan Quick. Ouais, ouais, ouais. On va de faire ça. Finalement, je vais peut-être euh, me réviser vu que Varlamov coûtait 5 millions. Je pense qu'un Philippe Gustafsson partant élevé. 84 overall peut demander un peu moins que 5 millions. Quand Jonathan Quick, 1 contre 1. Non, ça passe pas. Je m'attendais à ce que. Je m'attendais à ce que ça passe pas. Je suis peut-être prêt à donner. faut que je fasse attention avec mes choix au repêchage. 5-6 avec 48 équipes. Il ça, ça, y a pas beaucoup de valeur à aller chercher là. Donc, on vient de se libérer beaucoup d'argent. Sauf que. Sauf que. faut quand même aller signer Philippe Gustafson. Donc, voir contrat. Euh. RFA. Gardier. Gustafson. Oh, finalement, il demande quand même 5.4 millions. My God, que les équipes demandent beaucoup d'argent. Euh, on va y aller 5 ans vu qu'il demande juste 5.4 millions. Que ce soit un ou cinq 5, 4, 5, 5, 5, 1 ou 5 années. 5.4, 5. 5.1, 5 ans pour Gustafson. Je pense qu'on est gagnant. On va avancer de quelques jours de toute façon là, pour les agents libres. Je pense pas aller signer les top notes. Nikevis, non, 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 je ne veux pas prendre aucun salaire. Godjo a dit oui. Lenanen a dit oui. Parfait. Jeff Petrie Descalis. Euh, Rodrigo a dit oui. Gustave Sun a dit oui. Good. Parfait. Excellent. Maintenant, faut signer un défenseur. Faut signer un attaquant. Et on a 5 millions pour le faire. UFA. Attaquant. Overall. Qui coûte cher? Qui coûte pas cher? 3.3, ok. Um, ça me prend quelqu'un qui coûte pas 3 Non, Lars Seller, Je Je sais pas, Lars Seller. Ça pourrait être pas pire ses stats. Très bonne stats défensive. Un bon, un bon player all around. Daniel Sprung, non. 3 millions. JVR, non. Euh, Donato. bof il n'y a pas des bonnes stats de défensives. Clem Costin. C'est le joueur que je voulais, mais oh, ses stats défensives font dur. Non, il est pas vraiment bon, hein. Non, finalement, Klim Castin m'intéresse plus ou moins. Pierre Engvall? Non, il n'y a pas vraiment de joueur, là, qui... Euh... Yaromir Yagar. What? Yaromir Yagar à 28 ans. What, What the... What the f... Jaromir Jaguar a, a 28... 20... Qu'est-ce qu'il fait, là? Ben oui, c'est certain. Yaromir Yagar, no-brainer, là. Faut le signer dans notre équipe, là. 3.6 pour Yaromir Yagar. On va voir ça nous laisse combien pour signer un défenseur. Waouh Yaromir Yagar, celle-là est bonne en euh... estime. Est-ce que Yagar signe Wouh! Yaromir! Yaromir Yagar! Ok, accessible. Défenseur. Ouf. On peut se payer Johnson, Holden, Erwin, je pense que... 2.5 millions. Je pense que je vais me garder cette place-là pour aller peut-être faire une transaction là. Parce que my freaking god, les joueurs coûtent cher! Quel fleurie! Défenseur top 6 élevé, défenseur top 6 élevé. On pourrait On pourrait signer ces deux joueurs-là, on sait jamais, on sait jamais. 3 ans. 2 ans, 9,50 et Otavainen, 2 ans 9,50. Tiens! nos prospects sont signés, on se jusqu'au début de la saison et on verra euh, on verra si jamais on veut faire d'autres transactions. C'est sûr qu'il va nous manquer un défenseur, c'est sûr et certain qu'il nous manque un défenseur, mais on verra là. Je vais ici une transaction pour Kaden Gooley. défenseur top 4 élevé coûte pratiquement rien pour les deux prochaines saisons, Gustafsson et un deuxième du Canadien. Pourquoi Gustafsson parce que finalement on a Benjamin Godreau qui a monté à 83 overall, un jump inattendu. Et je veux faire jouer à Scaroff dans le show. Fait que c'est Gustafsson qui paierait le prix. Est-ce qu'on a assez de valeur pour Kalen Gowley? Non, c'est ce que je pensais. Donc ma deuxième option, dans euh, les, et on a d'autres options dans les défenseurs. C'est sûr qu'il faut baisser un petit peu plus bas là, dans les valeurs d'échange. On a des Evan Bouchard, mais là ça, ça commence à coûter cher un peu pour Evan Bouchard, 84 overall pour beaucoup de X Factors. Sean dursy être pas pire. Ferraro, ça pourrait être pas pire. Défenseur polyvalent, 3 ans, 3.8. C'est un excellent contrat. Ça pourrait effectivement, pour un 84 overall, être euh, franchement pas pire. Un deuxième et... Et Gustafsson, est-ce qu'on a un deal pour Ferraro? On a un deal pour Ferraro. Donc, au lieu d'un deuxième, vous en pensez quoi? Que... On y a, il y a un 7, un 6 et un 4. Ça passe. J'enlève le 4, un 7, un 6. Ça passe. J'enlève le 6, un 7. Ça passe. Let's go. Done deal. Euh, meilleur effectif. Euh, composition. Donc là, notre défensive va être setée. Mais on est vraiment là. Euh, je vous dirais qu'on est une équipe en mode. Je vous, je vous dirais qu'on est une équipe en mode reconstruction. Pas mal. Euh, défense. Et NHL. 1, 2, 3, 4. 5-6. Ok, on serait un joueur de... Un joueur de... Ok, non, c'est gardien de but. Gojo dans le système. Askarov, excellent. Monté. Good, parfait. Ok. Merling ligne et On va aller voir à quoi ça ressemble, cette équipe-là. On a une bien meilleure, bien moins bonne équipe que l'an passé, sauf que on est beaucoup plus jeune. Côté chimie, je pense que ça, ça va être un peu mieux aussi. Euh, c'est ça, exactement. C'est ça, là, c'est notre premier/slash/deuxième trio de, du futur, là. Jimmy Snogarod avec Frank Nazar et Router McGraw-Hardy, c'est comme le trio, le prochain trio. On a Atanasio, Lomberg et Yadamiriagas sur une quatrième ligne. Matthew Nye joue avec JT Comfort et Jason Zucker. Je trouve que. On a une bonne équipe. T'sais. Au final, McGraw harty joue comme un 79. Même chose pour Nazar. Et 80 pour Snugger Rod. Ça, c'est juste en début de saison. On sait que la première ligne, elle est solide. Défensivement. Ok, défensivement, les noms Rowneck. Lane Hudson. Et tu moyen d'avoir des plus. Hudson, fit où? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Ferraro. Ok. Ferraro sur la 3. Déjà en partant. Edvinson avec Ledom. Lane Hudson avec Ronek, Et Matichuk avec Ferraro. Ça, je très très bien avec cette défensive-là. Power play. Nazar, Zouk, Snug, Ovi, Thompson. Linder, Comfer, -Harty, Zucker, Hudson, Ronek. Euh, honnêtement, là, Zucker, je vais mettre choc à la place de Zucker. Exactement comme ça, moi ça, ça me va. Même si Altun joue à la pointe en, 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 plus à droite en, en, en avantage, numérique, c'est pas grave. Comme pour Zucker, ça c'est bon. Plus 5, ça c'est bon. On est, honnêtement, avec la chimie, je trouve que ça nous fait une bonne équipe. Nos gardiens, c'est deux jeunes, mais je pense qu'ils peuvent en, en masse faire la job. Et je vais aller signer des, des agents libres euh, pas trop chers pour l'équipe High Chill pour que les jeunes là-bas aient quand même une bonne saison tout de même. OK, l'équipe High est faite. L'équipe NHL, elle est aussi complétée. Je pense qu'il faut juste que j'engage. Euh, des scouts parce que je pense qu'il m'en manque trois effectivement. Donc je vais engager quelques recruteurs. Il nous en manque un dans la WHL. Donc celui-là, NC, excellent. Il nous en manque. Un... On a trois spots. Europe. Yes, sir, Miller. Et un plus, je sais pas, dans la LGMQ tu sais pourquoi pas. Eva de Champlain. OK! Parfait! Donc on avance, on continue. Euh, on va simuler toute la pré-saison. De toute façon, je pense qu'on va être pas mal en pilote automatique. Même si l'an passé, on a fait les playoffs et on a même fait la finale de la Coupe Stanley. Je ne sais pas cette année, à notre deuxième saison avec 48 équipes dans la Ligue nationale. On dirait que. On dirait que je ne sais, sais vraiment pas, mais vraiment pas à quoi m'attendre. Est-ce que juste avec notre chimie d'équipe, on va être supérieur aux autres équipes? Est-ce que. On, nos overalls sont pas assez hauts. Mais j'ose croire que toutes les équipes sont dans la même situation là, avec des overalls un peu plus bas. Je pense qu'on doit être une des équipes qui a les meilleurs, qui a le meilleur pool de prospects aussi. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Donc on va simuler jusqu'à la fin de la 16. Bah ben, en fait, non, on va y aller. On va y aller un petit mois, voir si on est vraiment en pilote automatique. De toute façon, que je, même si je veux faire une vente de feu, je n'ai pas vraiment de joueurs à échanger. Je trouve que d'avoir nos deux, notre top 6 avec des plus 5, nos, dé, nos, nos défensives, on n'a pas énormément de joueurs à, à trader. Donc, on est pas mal en pilote automatique. Si on ne fait pas les séries, tant mieux. On aura un bon choix au repêchage. Et si jamais on fait les séries, tant mieux. Ce sera de l'expérience pour nos jeunes. Mais pour l'instant, on est vraiment le even. 3-2-2, c'est très serré. Donc... Pilote automatique à moins d'un gros changement jusqu'à la fin. On est à la date de limite des transactions, je suis pas mal sûr qu'on a une bonne fiche franchement et je veux voir s'il y a des joueurs intéressants sur le marché pour qu'on puisse peut-être faire une transaction et s'améliorer. Si jamais on est une bonne équipe parce que 31 18 13 c'est une excellente fiche, on s'en pour faire encore une fois les séries. Si on va regarder les stats des joueurs, le Askarov 79 overall. Ça va pas si mal, c'est pas excellent On a Gojo qui est là, excellent Défensivement Edvinson a monté à 82 Hudson à 76 Matichuk à 75 Donc ça va quand même pas si mal À l'attaque Thompson, Frank Nazar 76 Snuggerrod et Megro RT ont monté un petit peu Ovi, Matunay, Zouk Matunay a monté un petit peu Donc tiens on a quand même Des éléments intéressants euh, Est-ce qu'on peut ajouter d'autres éléments? On a un peu d'argent disponible. Qu'est-ce qui serait le mieux? Je pense que clairement, ce qui serait le mieux, c'est un, un attaquant pour le troisième trio ou un gardien de but. Euh, Chandler, Chandler Stevenson 1 à 3.4, ce, ce serait excellent. Là. Chandler Stevenson, ce serait, ce serait vraiment ce serait le best. Pour l'instant, c'est ouais, vraiment lui. Là. Chandler Stevenson, ce serait su, su, super bon. Est-ce qu'on a, est qu a les, les éléments pour aller le chercher par contre? Marché des patineurs. Ledob, Edvilson, Nazar, Snogarod, Lane Hudson, RT Ronek, Ferra. Non, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien à trade. Dans les filets. Askarov, Godreau. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Rien, rien. choix au repêchage, le premier en 2025. Un contre un contre Stephenson. Ça vaut-il la peine de donner un first pour. Ça vaut-il la peine de donner un first pour un joueur comme ça, comme Stevenson Quelques X-Factors ont une excellente saison, par contre, le 69 points, match, matchs. Ah, oh, ça vaut la peine. Ça vaut clairement la peine. Est-ce que ça passe Évidemment, refusé toutefois, donc on serait pas loin d'une entente. Euh, marché des patineurs. La joie, je pourrais donner même un autre défenseur, Carlson ou même La joie, peu importe. Et N. Refusons, on n'est on est pas loin d'une entente. Encore une fois, Vegas qui joue. Vegas qui la joue dur, un 6 et un 7. C'est accepté. Stevenson s'en vient avec les Montreal Canadiens. Donc je vais refaire les lignes et je vous montre avec quelle équipe on s'en ligne vers la fin de la saison. Est-ce qu'on est 75 points? On n'est pas dans le top de la ligue, mais clairement, là, on a une belle option sur les séries minatoires. Ça, C'est sûr, sûr, sûr et certain. On a un joueur de trop et je crois que c'est. Bon, les jeunes, c'est sûr qu'on garde. Lomberg. Ça, c'est ciao. Modifier les lignes NHL. Stevenson va prendre sa place. Il va prendre la place de Comfrey aussi. C'est ça qui est intéressant à droite. Oh, Snugger Rod. Euh, ok, tous les lignes ont changé évidemment. Megro Arty, Nazard euh, Nazar au centre. Snugger à droite. McGregor à gauche. Matthew Nye avec Stevenson et Zucker. Atanasiu, Comfort, Jagger. Défensivement, on va tout replacer. Bang. Hudson, Bang. Ferraro, power Powerplay, Piquet. Matichuk va être. Non, je pense qu'à la place de Matichok, là, on va mettre un Matiounaï. Euh, un Matiounaï. <laughs> un euh, Chandler Stevenson. Ça nous donne quand même un plus 5, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Piquet, Comfort, Zucker. Euh, Rod, non. On va mettre à gauche. Euh, à gauche, oui. Stevenson en Piqué aussi. Good et piquet 3, Stevenson et Thompson. OK, parfait. Good, 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 good. Donc, 81 points en 62 matchs pour Ovi. Encore une fois, le premier trio qui fait la pluie et le beau temps à Montréal. En principe, je dis bien en principe, on fait les séries pour une deuxième année de suite. Il faudrait juste pas se mettre à perdre pas mal de matchs contre les Pingouins. Donc là, on a 1-1-1 comme fiche. 2-1-1 comme fiche après le deadline. Ah, oh, c'est assez... Oh, j'aime pas là. J'aime vraiment pas les, les quelques défaites de suite, on a ajouté un excellent joueur de troisième centre qui peut jouer en power play puis en piqué, on est censé être une bien 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 meilleure équipe. Donc là on a OK, quatre victoires de suite. 10 à 3 contre les Islanders, calvaire. On s'est donc bien fait brasser. Contre la Caroline, défaite, défaite, deux défaites de suite, trois défaites de suite, on n'est pas assuré d'une place là, il faut faire attention. On a. Oh, et voilà. Et voilà. 44, 24, 16. Les Canadiens de Montréal se sont assurés d'une place en séries éliminatoires. Avec une belle fiche de 96 points. 109 points pour Ovi. Et les premiers adversaires en ronde numéro 1 seront les Kings de Los Angeles. Excellent. Bon. Stats individuels. Encore une fois, Ovi 109 points, Thompson 52 buts, 101 points, Zuccarello, 93 points. <laughs> c'est du gros hockey. Stevenson a été excellent même sur le troisième trio avec 20 points en 20 matchs. Donc 89. On a 3, 4 joueurs en haut du point par match. JT Comfort est bon, Frank Nazar, Snugger Rod et euh, Mego RT, c'est peut-être pas la meilleure deuxième ligne. Mais il faut faire confiance aux jeunes, ils sont signés. Fait qu'il faut leur donner du temps de jeu. Lélo a été très bon avec Edvinson. Euh, Ronek avec euh, Lionel Hudson, ça a bien été. Et dans les filets, Godjo a été très bon. Ascara va être bof. Mais c'est pour ça qu'on y va avec Benjamin Godjo pour débuter ces séries-là. Donc, épisode un peu plus court qu'à l'habitude. Mais euh, c'est parce que je ne veux pas vous engorger avec des épisodes trop longs. Prochain épisode, on va pouvoir faire les séries. Si ça va bien. On, on fera que les séries si ça va mal. On fera le draft et tout ça. On continue. Donc, à date, on est 2 en 2 avec le Canadien de Montréal sur, avec 48 équipes dans la Ligue. Est-ce que cette fois-là, on pourra venger notre défaite en finale contre Houston et se rendre jusqu'au bout? Ce sera à voir dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Je vous souhaite une excellente continuation. À la prochaine. Ciao bye.